Bonjour, donc je suis Simon Bousquet, je suis le directeur de l'agence Guy Hoquet à Orsay. Et en fait, nous avons eu la chance de recevoir par la Chambre des commerces et de l'industrie de l'Essonne le trophée pour le défi de l'apprentissage dans le cadre de notre formation professionnelle. On a ces 4 dernières années formé 7 jeunes en BTS, des jeunes que nous avons embauchés pour la plupart. Nous en sommes à 3 embauches et on espère que nos 3 stagiaires cette année auront la chance aussi d'obtenir leur BTS et éventuellement d'être embauchés chez nous en CDI. J'estime que l'apprentissage est quelque chose d'important. J'ai moi-même eu la chance, il y a 8 ans, quand j'ai commencé à travailler à 18 ans, d'avoir un patron qui m'a laissé ma chance. Et j'estime qu'aujourd'hui, c'est pratiquement une obligation de la part d'un employeur, surtout dans ma position, d'embaucher des jeunes, de prendre des jeunes en apprentissage, de leur faire apprendre un métier. Et puis pas seulement, c'est des jeunes qu'on va pouvoir responsabiliser, des gens qui vont être très attachés ensuite à la réussite de l'entreprise. Et puis c'est l'avenir, finalement, aujourd'hui, la jeunesse. Donc je sais à quel point c'est dur de trouver un stage, surtout aujourd'hui, dans un marché du travail qui est compliqué. Donc c'était déjà le cas en 2004 quand j'ai cherché du travail, si vous voulez. J'ai déposé plus de 300 CV, donc j'ai vérifié par moi-même à quel point ça pouvait être difficile de trouver un job. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire passer des oraux de BTS, de rencontrer donc régulièrement des élèves, même ceux que je n'ai pas, même ceux que je n'ai pas dans le cadre de ma société, et c'est très compliqué. Les patrons ont beaucoup d'a priori. Embaucher un jeune, ça va être de la perte de temps, ou ce n'est seulement qu'un gain financier parce qu'on ne va pas payer de charges dessus. Or, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, un jeune, c'est quelqu'un qui va être motivé, qui n'aura pas peur de travailler, quelqu'un qu'on va pouvoir responsabiliser, je me répète. C'est souvent des gens avec qui c'est très agréable de travailler parce qu'ils n'ont pas d'a priori, pas d'arrière-pensée. Donc j'espère que de plus en plus de patrons auront la chance ou auront le courage de prendre des jeunes en formation parce que je ne l'ai jamais regretté en 4 ans et je vais continuer à le faire.